j'espère que ça va bien. Voulez-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mai? Ouais, ça passe vite. Ah, moi, là, quand on pogne mai, là, on dirait déjà qu'on est en octobre. J'ai assez hâte. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre regard du ciel, vous pouvez toujours aussi regarder mes titres si vous êtes comme son haut, mes placements, je ne sais pas de quoi tu parles. En anglais, il y a caféastro.com. En français, il y a Evozen, qui est, les deux sont super bons et gratuits. Donc, vous pouvez toujours les regarder là pour connaître c'est quoi vos placements importants, mais honnêtement, l'astrologie, c'est vraiment hot. Quand que je dis ça, la vérité sort. Pas les seuls que la vérité sort, il y a des verrous. Wow, miracle. Oui, c'est mes petits, j'allais dire essentiel, mes sirènes. Il y a un choix à faire. On parle, il y a un choix à faire. Il y a une vérité qui s'en vient. Si tu la sais déjà, là, c'est... Tu sais, c'est pas qu'il y a du gluten dans les céréales que tu manges le matin. Là. C'est gros. Là. À moins que tu sois cœliaque, mais tu l'aurais regardé. Bref, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Voilà. Il y a une vérité qui s'en vient, qui est là. Ouais. Puis je pense que, par ta décision, soit que c'est des miracles, dans le sens où... Puis le choix à faire, là, turn away. Tu vas te rendre compte que cette vérité-là, qu'est-ce que t'apprends? Tu sais, il faut le dire, la carte est un peu sombre. C'est une vérité qui, avec le temps, pas peut-être demain matin, là, avec le temps, tu vas dire, thank God que je l'ai appris à ce moment-là. La vibe que j'ai, là, c'est, j'ai des frissons, c'est un, sans dire que c'est un gros warning, ça va être vraiment un bel apprentissage d'écouter les signaux d'alarme, les red flags, les drapeaux rouges, de comprendre c'est quoi les drapeaux rouges. C'est vraiment une belle leçon de ça. Puis j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un choix à faire. Un choix à faire de regarder la vérité pour qu'est-ce qu'elle est. Cette vérité-là, c'est vraiment de la voir pour qu'est-ce qu'elle est. C'est quoi l'impact sur la... Parce qu'en première fois, j'essaie toujours de garder les tirages de début de mois. Général, si tu veux quelque chose dans le privé, c'est dans le descriptif. Mais c'est une vérité qui... une fois que tu vas vraiment voir... À place, tu vas faire la différence entre l'espoir et le rêve et l'idéalisation de qu'est-ce que ça aurait pu être. Puis qu'est-ce qu'on t'a vendu un peu, puis qu'est-ce que la vérité te fait comme un. Puis c'est quoi la vérité, puis qu'est-ce que tu peux en faire à partir de maintenant. Ça fait vraiment... tu rencontres quelqu'un, puis tout va super bien, puis oh my God, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça qui me comprend, puis tout ça. Puis là, t'apprends, soit que... Un ex t'écrit et dire comme fais attention à ce narcissique pervers. Exemple. Là, si ça résonne, tu le sais. Ça fait ça ici, tu sais comment tabarnak. C'est pas genre, oh, j'ai peur que ce soit pas. Non, tu le sais. Puis tu te sauves. Pis c'est comme si le choix à faire, c'est inévitable que tu vas partir de ça de toute façon. Pis c'est juste qu'on dirait que c'est la perception qui en tient aussi à Lyon de dire comme. Encore un autre fou ou de faire comme thank God, je m'en suis rendu compte là. Tu vois-tu comment la perception change? Maintenant, si on parle pas de quelqu'un, on parle d'une job. Il y a une vérité qui arrive par rapport à la job. Sais-tu que finalement, c'était marqué que c'était 40 heures semaine, puis que dans le contrat, c'était bizarre, c'était marqué que les heures extra, là, c'est pas longtemps que j'ai pas fait de corpo, je me rappelle plus des astitans. Les heures non rémunérées, on les reprend en vacances, mais tu sais, tu parles genre à l'ancien employé qui fait, ça fait 4 burn-out qu'elle fait, puis elle dit comme, ils reprennent pas, prends pas la job. Tu sais, il y a quelque chose comme ça. Puis c'est comme si, en apprenant cette vérité-là, Lyon va être confronté à, est-ce que je crois mon ressenti? Est-ce que je me fais assez confiance pour croire ça? Est-ce que je crois à l'élément extérieur qui vient m'annoncer cette nouvelle-là plus que la source qui me ment? Il y a un mensonge. Puis c'est un miracle de l'apprendre. Ça arrive juste au bon moment. Juste au bon moment. Puis ça va avoir... Puis tu sais, Lion pourtant, Lion signe de feu, c'est comme... Pas avoir peur de dire les choses, puis pas avoir peur d'avancer avec son flambeau, là. Avec son bâton en feu. Mais je pense qu'ici, ça va être... Il y a quelque chose avec dire non,
de continuer à dire non, pas juste de solidifier son non, là, mais aussi de... C'est comme si dans la conviction. Il y a quelque chose avec la conviction de... Page d'épée. Il y a vraiment une vérité qui s'en vient d'une autre source. Pas de toi, pas de l'autre. C'est-à-dire, si c'est une job, c'est un ancien employé. Si c'est une job, c'est des anciens documents que tu vas trouver, que tu vas faire comme... Si c'est quelqu'un que tu as rencontré, c'est du love bombing. Tu vas rencontrer soit l'ex, soit tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas faire comme... Pourquoi cette personne écrit ça? Pourquoi? Il y a vraiment quelque chose, puis il y a une preuve. Page d'épée, là, c'est vraiment une troisième source, là, ou sinon c'est du quelqu'un qui vient te mettre en garde. Mais c'est vraiment, c'est clair. C'est pas quelqu'un qui va dire comme, t'es sûr que tu veux. Non, c'est quelqu'un qui dit, fais-le pas parce que voici des exemples. C'est quelqu'un qui arrive avec des fucking reçus. Voici les preuves. Ça change vraiment la perspective. Ça change la perspective de. Je vais pas dire que le 9 de coupe, c'est qui? C'était Bélier. Ouais, écoutez, Bélier. C'est pas. Mais. Je ne dis pas que c'est l'envers, là, mais c'est comme un autre. C'est la même. En tout cas, si ça t'en a l'écouter, Bélier. Mais bref, cette vérité-là, non seulement. Tu regardes le 9 de coupe comme un comme. Oh, je suis libérée! Parce qu'à quelque part, Lion avait un drôle de feeling. Quand tu y penses pour de vrai ici, pense ici. Fie-toi à comment tu te sentais. Il y avait vraiment quelque chose qui coulait pas. Il y avait quelque chose qui était weird. Autant que dans le tirage de Bélier, c'était une roche dans un tapis. Ici, ça sent beaucoup la couille dans le potage. Il y a quelque chose. C'était pas petit. C'est drôle. C'est comme le même message, mais pas la même intensité. C'est un peu drôle. Bref. Ici aussi, on a le pendu. Mais ici, c'est la pendue. Puis la pendue, regarde comment. C'est wow, le miracle, la prise de conscience, l'illumination, là, vient quand tu changes ta perspective. C'était trop beau pour être vrai. Ça fait vraiment, c'est trop beau pour être vrai. Que quand on connaît la vérité, finalement, c'est pas beau pantoute. 2024. Chevalier d'épée. Pour certains, certaines, pas pour tout le monde. Pour certains, certaines, c'est pas la première fois que tu as vent. Peut-être que tu as déjà eu vent de la réalité, de la vérité, puis tu as fait comme, tu as fait fi, tu as fait, oh non, 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 non. Je suis sûre que c'est pas vrai. Pas. Avec moi, ça va être différent. Lion. T'as vu comment elle tombe à l'envers? L'as de coupe à l'envers. Tu le savais déjà, il y avait déjà quelqu'un qui t'en avait parlé, tu n'avais pas écouté. Asti. 5 de pentacle et le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est tellement lion. Ça va être une seconde chance. Tu as une seconde chance à vraiment écouter ton instinct et à dire comme là, c'est de plus en plus fort. Ton instinct grandit, la vérité qu'on t'avait dit, que tu n'avais pas voulu voir, il y a d'autres preuves où c'est plus important, c'est plus grave. Il faut le dire, l'as de coupe est à l'envers. Disons que la lune de miel est vraiment finie, là. Même si c'est une job. Hein? Si on parle de job, là, puis t'es comme, ah shit, dans quoi je me suis embarquée. Victoire après la guerre, mais il y a une certaine perte. 5 de pentacle. À l'endroit cette fois-ci, dans l'autre, est à l'envers. Ah, c'est weird, mais en tout cas, il y a vraiment une victoire, il y a vraiment. C'était-tu un sentiment de victoire quand la première fois que t'as entendu la vérité, t'as fait comme non, 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 mais moi, ça va être différent, puis t'as, peut-être c'est ça aussi, là, mais. Le mât, placé à la même place que le bélier. Asti, c'est weird! 5 de coupe. Le monde. Écoute, gros changement de cycle. Si, oui, c'est une fin de cycle. Tu sors de ça. Tu te sors de ça. La vérité est trop forte pour l'ignorer. Il y a un certain degré de remords et de regrets. Si tu es financier, si tu es émotif, si tu es une perte de temps, une perte d'énergie, ou toutes ces réponses. Ça dépend vraiment de la situation, mais tu as au moins l'énergie du mode. Tu as l'occasion de recommencer ailleurs, à nouveau.
et de dire merci de l'avoir vu. Ici, oui, il y a une certaine perte, il y a des certains remords et regrets. Puis là, il y a différentes lignes de temps. Là. Je ne vais pas me lancer là-dedans, là, mais il y en a pour qui je parle, vous allez l'apprendre bientôt, la nouvelle. Écoutez-la. Il y en a pour qui je parle, vous le savez déjà, puis il y a une deuxième nouvelle, un deuxième ajout ou un deuxième surenchissement de cette nouvelle-là que vous allez faire comme un shit. Agis. Agis. Là, on agit, puis on se sort de ça. On se sort de ça. Il y a beaucoup d'émotions qui sont perdues. Il y a beaucoup d'émotions de regret, d'amertume. C'est ça, la vie 2024, je dis, c'est rendu tellement fucké dans le monde. Mais regarde, fait que c'est vraiment d'avancer puis de bien compléter ce puis d'être capable de dire non, puis de dire comme c'est vraiment pas pour moi, I'm out. C'est fini. Bye. Fait qu'on va aller voir plus en... On va l'espionner. Dans l'extension, pour les personnes qui vont avoir accès, c'est marqué dans le descriptif pour les extensions avec le lien Patreon. Sinon, on se voit dans 2 semaines, mais dis non, sois solide, puis si la personne ne comprend pas, bloque. Bye, bonne chance.